vous ai fait tous réunir aujourd'hui. D'accord. C'est parce que c'est pas un truc grave. Personne ne sait tirer au fusil. Personne. C'est-à-dire qu'il vous faut trois chargeurs pour toucher une personne. Et ça, eh ben c'est pas ouf. C'est pas fou parce que déjà, on est à manque de munitions. Déjà. Et puis surtout, ben voilà, c'est un peu embêtant, quoi. D'accord. Le mec là qui s'est échappé là, qu'on a galéré, ça maintient. Vous avez détruit les murs de la banque. Ouais, mais lui, vous l'avez pas touché. Non, 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 il était à 5 mètres de vous. Je sais, j'étais là, je vous ai vu. 5 mètres 8. Vous avez évité 8 chargeurs. Allez, gars, on fait un effort là. Là, faut un peu viser. Alors, c'est pour ça que je vous donne un petit cours de vie. Ok, alors. Hop là, je remets mes cheveux. Alors, du coup. Votre arme. Grandir. Très important. On vise. D'accord. Ok. On tire par là. Comme ça. Ok, on n'est pas de la face à face. Alors, je vais vous apprendre. Tirer son coup, c'est ce que je veux dire. Du coup, pour tirer, il faut repérer son œil directeur. Comment connaître son œil directeur? Vous regardez devant vous, d'accord? Vous ciblez, je sais pas, une image, quelque chose qui est devant vous, d'accord? Et vous faites un triangle. Et avec les deux yeux ouverts, je veux que l'objet se trouve dans le triangle. Ok, donc vous, c'est bon, vous l'avez bien mis dans votre triangle. C'est bon. Et maintenant, vous fermez un œil. Ferme un œil, et puis l'autre. Et l'objet qui est dans le triangle, ou qui se rapproche le plus, est votre œil directeur. Par exemple, moi je fais le triangle, je ferme cet œil. Ah, mon objet est dans le triangle, alors que celui-là, pas du tout. Donc, c'est très important, ok. Tout le monde a son œil directeur, ça y est, oui. Très bien. Passons à la suite. Alors vous êtes là, d'accord. Vous prenez votre œil directeur, forcément, ok. Vous collez bien la crosse contre le pec, ok. Sinon, ben, problème. Vous allez prendre la tête. Hein. Vous visez, vous collez bien, d'accord. Et au moment de tirer, vous expirez. Vous n'avez plus de balle, c'est normal parce que vous avez tout claqué. Du coup, on n'a plus de balle. Mais en temps normal, ça fait du bruit. Les armes, ça, les armes, ça c'est zéro les gars, je suis désolé, mais pff, zéro. Combat corps à corps, je marque moins même, parce que ça c'est vraiment le pire, ok. Mais c'est pas grave, on va s'entraîner, on va se former, c'est pour la connerie là, c'est pour le fun, l'amusement et aussi apprendre, d'accord. Les otages, oui. Les otages, ben, ils font rien, tu sais, ils sont, voilà, ils restent assis comme. Ça c'est une habitude, c'est pas de... Tac. Hop là, voilà. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Maintenant. Oui, une question là-bas. Je t'écoute. Je t'écoute. Quand est-ce qu'on sort de la banque? Quand est-ce qu'on sortira de la banque? Si, moi j'ai une question quand même. Qui s'est rechargé une arme? Ah, personne. Mais non, d'accord. Parce qu'en fait, un truc qui est assez, qui est plutôt intéressant quand je vous tirez, c'est que vous tirez. Vous tirez.
tirer des non-stop comme ça. Jamais je t'ai vu recharger un 4 saisons.
masque de merde. Ah, attendez, je m'abris. Ensuite, on a le deuxième. Le deuxième, il est un petit peu comme le premier, mais un petit peu différent. Deuxième étape.